À tous. Je crois que nous avons tous passé une excellente journée. Une fois de plus, nous voici réunis pour écouter la parole de Dieu. Alors donc, ça y est, le déconfinement a sonné, l'heure du déconfinement a sonné à partir de demain pour tout le monde, mais il faudra quand même faire attention parce que déconfinement ne veut pas dire fin de la maladie, donc il nous faudra rester prudents. Et pour tous ceux qui sont un peu inquiets, j'ai une petite phrase ce soir. L'inquiétude est aveugle et ne peut discerner l'avenir. Jésus, lui, voit la fin dès le commencement. Et pour chaque difficulté, il connaît la voie qui nous conduira à la solution. Demeurer en Christ, c'est pouvoir faire toutes choses par celui qui nous fortifie. Je vous souhaite donc à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue. Soyons attentifs à la parole que le Seigneur a pour nous ce soir. Nous allons incliner la tête et prier. Notre Père qui es aux cieux, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce privilège que tu nous accordes de nous retrouver une fois encore afin de nous ressourcer spirituellement, afin de découvrir encore de la ressource des mots de réconfort dans ta parole. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous depuis le début de cette épidémie, de cette pandémie, et jusqu'à maintenant, tu continues de nous apporter le soutien nécessaire à travers tous ceux qui nous apportent des mots d'encouragement et par le biais de ton esprit. Reste avec nous durant ce programme et accorde à tous ceux qui auront intervenu, et en particulier à Jacques, la force de ton esprit et qu'il puisse toucher nos cœurs. Nous te prions, te demandons toutes ces grâces au nom de ton Fils et pour ta gloire. Amen. Bonsoir à tous. On va vous interpréter Alicia et moi. C'est vers toi que je me tourne. Thank you.
Je dis bonsoir à tous mes frères et sœurs de l'église de Morija. Et c'est avec plaisir que je veux partager ce moment de réflexion avec vous. Le thème de ce soir, c'est le cœur. Le cœur. La Bible déclare, et pour moi, c'est l'une des plus belles déclarations d'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. La Bible déclare dans Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Mes amis, mes frères et mes sœurs, pour voir Dieu, il nous faut avoir le cœur pur. Et la première question que nous allons nous poser en ce soir, qu'est-ce que Dieu nous demande? Nous irons dans Proverbes, chapitre 23, verset 26, qui dit ceci, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » En fait, c'est une déclaration d'amour. Et quand la Bible dit « mon fils, c'est aussi ma fille, mon enfant, donne-moi ton cœur. » Alors, comment est ce cœur que Dieu réclame? Nous allons prendre quelques textes pour voir ce cœur dont Dieu réclame. « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Dans Jérémie, chapitre 17, verset 1er, il est dit, le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Et le verset 5 déclare ceci, Jérémie 17, 5, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Nombreux ont fait ce choix. Placer leur confiance dans l'homme, dans la science de l'homme, et ensuite se détourner de l'Éternel. Maudit soit l'homme, nous dit la Bible. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Alors, comment est ce cœur que Dieu réclame de chacun de nous? Toujours dans Jérémie 17, verset 9, la Bible nous dit, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître? Mes amis, aujourd'hui, nous entendons qu'il n'y a pas de pardon, que les hommes sont méchants,
mauvais, terrible, orgueilleux. En fait, d'où vient ce problème? C'est un problème de cœur qui affecte les foyers, qui affecte l'entreprise, qui affecte l'Église, en un mot, qui affecte le monde entier. Le cœur, le cœur. Ce cœur qui est tortueux et méchant, Dieu le veut. Mais c'est extraordinaire ce Dieu que nous servons. Dieu nous dit, donne-moi ton cœur. Ensuite, le texte disait, le texte de base, heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Quand nous regardons ce que nous dit le texte ici, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant, qui peut le connaître? Dieu répond, il dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Aujourd'hui, pourquoi nous n'arrivons pas à pardonner? Parce que le cœur est tortueux et méchant. Pourquoi nous n'arrivons pas à nous aimer? Parce que le cœur est tortueux et méchant. Pourquoi nous n'arrivons pas à passer sous certaines choses et à rendre l'autre heureux? Parce que le cœur est tortueux, méchant. Mais mes amis, Dieu réclame ce cœur et c'est ce que j'aime avec l'Éternel. Quand nous lisons Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27, Dieu dit, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. » Remarquons bien que l'homme n'a rien à faire. Dieu prend toujours l'initiative. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Et au verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Voilà pourquoi Dieu nous réclame ce cœur méchant, tortueux, crochu. Il dit, « Oui, je vous donnerai un cœur, comment? Nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dieu veut opérer cette transformation. Et je crois que ça a été une bénédiction pour beaucoup d'être confinés. Et c'est pourquoi Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, reste en confinement. Et là, prie ton Dieu. Je crois que le fait de rester en confinement a été une école pour moi. Et je l'espère pour chacun, afin de mettre Dieu à l'épreuve et de se dire, Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. En fait, Dieu voulait nous dire, j'en ai marre de vos églises, j'en ai marre de vos sabbats, j'en ai marre de vos chants, j'en ai marre de vos musiques. Je n'ai marre de vos prédications. Dieu voulait que chacun fasse quelque chose de meilleur pour sa gloire. C'est pour cela qu'il nous a donné ce moment qu'il utilise pour le bien-être de chacun, afin que nous soyons toujours au pied de Jésus. Et de voir quelle est la qualité de ce cœur que nous avons.
est-ce que ce cœur-là, Dieu l'a purifié, il l'a transformé, il a opéré ce changement, un cœur méchant avec un cœur de chair, transformé tout en mettant l'Esprit de Dieu en nous. Je pense que tous ceux-là qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance tout en étant en confinement ont été de meilleurs époux, de meilleures épouses, de meilleurs enfants, de meilleurs pasteurs, de meilleurs anciens, de meilleurs responsables de l'école du sabbat, parce que chacun pouvait prêcher pour soi-même et mettre de l'ordre dans sa vie. Dieu dit oui, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ce n'est plus la peine de sortir en confinement et de retourner à l'église de la même manière que nous avons laissé cette église. En fait, Dieu a voulu faire de chaque maison de véritables églises de maison. Et je crois que c'est par là que l'œuvre s'achèvera. C'est pourquoi Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est une déclaration d'amour remplie de grâce. Et quand je lis dans Deutéronome 6, versets 4 à 6, Israël, écoute l'Éternel, notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Un cœur qui est rempli de grâce, un cœur qui est rempli des commandements de Dieu, n'est pas grosso modo. Un cœur qui est rempli de l'Esprit de Dieu, c'est un cœur aimant, doux, agréable. C'est un cœur qui prend pitié. C'est un cœur qui donne et partage l'amour. Oui, mes amis, qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur le cœur? Il est dit ceci dans Proverbes 17, verset 20. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. C'est pourquoi Dieu nous parle de cœur pur. Proverbes 17, 22, un texte que nous connaissons très bien. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Alors, pourquoi ne pas utiliser ce médicament aussi puissant? Et pourquoi, dans nos églises, il y a tant d'esprits abattus? Dans nos foyers, tant d'esprits abattus, tant de cœurs attristés, malmenés. Et alors que la Bible nous dit, un cœur joyeux est un bon remède. Pouvons-nous avoir Jésus dans le cœur et être méchant, morose, agressif, fier, orgueilleux? Un cœur joyeux. Y a-t-il cette joie chez toi, à la maison, au travail, dans ton voisinage? Est-ce que tu apportes ce médicament? Un cœur joyeux est un bon remède. Peux-tu sortir de ce confinement avec un cœur glacé, méchant et tortueux? Cela voudrait dire qu'on n'a pas compris du tout la leçon que l'Éternel a voulu nous inculquer. La Bible déclare toujours, dans Jérémie 15, verset 16, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. »
Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Le prophète dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévouées. Je crois que le moment est venu pour le peuple de Dieu, pour le chrétien, de pouvoir dévorer la parole de Dieu. Cette parole que nous étudions dans la leçon de l'école du sabbat, la Bible, les saintes vérités. Quel est le programme de Dieu pour toi? Et comment garder un cœur pur? Quand nous lisons dans Éphésiens 5, versets 1 à 2, Dieu dit ceci, « Devenez donc les imitateurs de Dieu. » Dieu a mis la barre très haute. Il est dit dans sa parole, « Devenez les imitateurs de Dieu. » Nous ne sommes pas là pour imiter quiconque, mais l'exemple par excellence que Dieu nous a donné, c'est Jésus. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité. Le mot qui est employé ici, marchez dans l'amour, l'agapéos, l'amour sans condition. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Quand nous continuons, mes amis, la Bible nous dit d'abord, devenez donc les imitateurs de Dieu. Alors, comment garder ce cœur pur? Nous lirons dans Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 21. Prenez donc de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Le moment est venu pour nous comporter comme des sages, des personnes qui réfléchissent, qui ont un but et qui savent où aller. Au verset 16, il est dit, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je ne vous apprends rien, vous en savez quelque chose. » Ensuite, il est dit au verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, ni de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et nous comprenons pourquoi Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Il ne veut pas un cœur partagé, divisé, rempli de débauches. Un cœur qui va à droite et à gauche en même temps, c'est impossible. Au verset 19, il est dit, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Nous allons peut-être bientôt reprendre le chemin du bâtiment, mais nous devons enlever tout esprit de compétition, de m'as-tu vu, mais d'aborder la chose différemment en personne nouveau-née, en personne ayant le cœur purifié, un esprit purifié. Les choses ne doivent plus être comme auparavant. Pour terminer, Éphésiens 5, versets 25 à 27, nous dit ceci.
Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ce que la Bible nous dit ici est important. Elle demande au mari, la parole de Dieu, d'aimer leur femme. Et aujourd'hui, je crois que nous devons comprendre la relation entre mari et femme, époux-épouse, doit refléter la relation que Christ a avec son Église. C'est pourquoi il est dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Combien d'époux sont prêts à se livrer pour sauver leurs femmes? Oui, je sais, on va en trouver. Il y a de vrais amoureux. Il y a des personnes vraiment qui s'aiment et qui font tout pour sanctifier leur épouse. Nous sommes appelés à prendre soin de celle que Dieu a placée à nos côtés. Et surtout, le texte continue et dit au verset 26, « Afin de la sanctifier par la parole. » Trop de femmes sont maltraitées, malmenées, insultées, méprisées. Et alors que Dieu parle de cœur pur, c'est le moment pour moi, pour vous, de nous repentir et d'offrir à Dieu ce cœur tortueux et méchant. Et Dieu lui-même ne veut pas entrer en jugement avec nous. Il n'est pas venu nous juger. Il est venu nous sauver. C'est pourquoi il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Il est dit, afin de la sanctifier au verset 26, par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et nous comprenons pourquoi Matthieu 5, 8 disait « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. » Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie et que chacun soit prêt pour le grand retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, mes amis, que nous venons de faire des expériences avec Dieu jour après jour, le Seigneur prend sur lui afin de transformer ce cœur méchant, glacé, tortueux en un cœur rempli d'amour, de bonté, d'humilité, de grâce, de pardon. En un mot, un cœur sanctifié. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie et soyons prêts pour le retour de Jésus. Amen. Amen. Alors maintenant, je pense que vous avez des choses à dire, à ajouter, à corriger, des questions, un plus à porter. Nous sommes là pour partager ensemble. Donc, je vous écoute et je crois que Samuel va s'arranger pour faire passer les gens. Je ne sais pas comment ça se passe. Oh, voilà, ben, spontanément, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir. Je sens que Berthe veut intervenir. Oui, Jacques Massé. Massé-Henriquin. Bienvenue, Berthe. Merci pour ça, Odia. Vous en êtes répondu, Jacques. Oui, oui, oui. Et ça fait que vous avez parlé, il faut qu'on ait un bon chef. Quel que soit là où il y a, là où il y a arrêté, ça, il faut qu'on ait un bon chef. Mm. Mais est-ce que pas ni des bagailles dans la vie qui arrive et puis ou qu'a senti que c'est bon check-up qui fait signer tout malin
Vous êtes un entrepreneur, vous savez dans le dépôt, vous avez déposé 50 bombes l'appétit. Vous arrivez lundi, bon matin, vous trouvez filer deux conlames pour venir pour savoir les outils pour y travailler. On va constater qu'il y a 35 bombes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur à ce moment précis? Est-ce que cela t'est déjà arrivé? Est-ce que, en quelque part, il n'y a pas une révolte qui monte? Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui subit cette chose-là alors qu'il a trimé pour cela? Et que quelqu'un qui en avait besoin est passé, s'est servi et t'a laissé sur le plancher. Ça, c'est une belle réflexion, Bertie. Et effectivement, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Et lorsqu'on arrive sur le coup et on constate les effets, on est surpris et on est choqué. Mais tout de suite, il y a un autre esprit qui vient et qui me dit, mais Jacques, c'est déjà fait, tu ne peux rien faire. Maintenant, il faut vivre avec. Et je pars, je vais acheter encore la même quantité de peinture. Mais ce n'est pas toujours facile. Pour la peinture, c'est plus facile. Mais quand on touche à ta famille, Berthe, là, c'est encore plus difficile. Exact. Et là, la réaction humaine est parfois normale. Et Dieu comprend dans ce genre de circonstances, mais il dit, quand même si j'arrive à péter les plombs, selon l'expression, qu'il y a un avocat, Jésus-Christ le juste, auprès du Père. Et si nous confessons nos péchés fidèlement, eh bien, il va nous pardonner. D'accord. Je partage. Merci. Alors, je vois que David a levé la main. David, est-ce que tu peux activer ton micro, s'il te plaît, et poser ta question, faire ta remarque. Après David, nous prendrons Émirat. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, David. Tu vas bien, Jacques? Oui, ça va bien, merci. Oui, tout à fait. Jacques, dans ta conclusion où tu parles que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Oui. Que je rejoins, que je suis tout à fait en accord. Et je me suis toujours posé cette question, même nous sommes l'Église par rapport à Christ. Donc, notre attitude, notre comportement, est-ce que des fois, alors que le mari fait tout pour aimer sa femme et l'aider et l'accompagner, alors que Christ fait tout pour nous aider, nous accompagner, nous amener vers lui, est-ce que nous ne nous souillons pas nous-mêmes? Ou est-ce que notre épouse ne se souille pas elle-même alors que nous faisons tout? Où est notre cœur à ce moment-là? Comment Dieu se comporte par rapport à nous? Oui. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est le cœur dont Dieu réclame, c'est ce cœur même qui est souillé, tortillé et méchant. Parce qu'un léopard ne peut pas changer sa peau. Et nous qui sommes accoutumés à faire le mal, nous ne pouvons pas faire le bien. C'est pourquoi Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, celui qui s'est souillé, quand même il va tout faire pour être pur, ne pourra jamais être pur parce que c'est Christ qui dit, donne-moi ton cœur. Et je vais te purifier d'une eau pure et je vais mettre mon esprit en toi. À chaque fois, Dieu prend l'initiative de faire de telle sorte que l'homme ne puisse pas dire que j'ai fait. Le salut vient à cause de ma force, mon pouvoir. Non. En réalité, nous devons marcher selon la voix de Dieu et mettre en pratique ses enseignements et de donner à Jésus la priorité dans nos vies, comme cela. Quand Jésus dit « Aimez vos femmes », il dit aux épouses aussi d'aimer leur époux,
comme Christ. Ça veut dire dans un amour agapé. Je ne t'aime pas parce que tu m'aimes, je t'aime malgré tu me fais souffrir. Et c'est là que Christ veut nous amener. Merci David. Émirante. Et après Émirante, Corinne. Bon, ben Corinne et après Sylvain, sauf si Émirante revient. Oui, j'ai dit bonsoir. Bonsoir Émirante. Voilà. Bonsoir à tous. Alors en fait, j'aimerais que nous puissions définir le cœur. Parce que tu as parlé du cœur, le cœur, le cœur. Oui. Mais il y a l'organe qui nous permet, qui bat, etc. Mais ce cœur dont il est question dans ton intervention de ce soir, est-ce que tu peux le définir? Tu viens de dire, par exemple, que le cœur est tortueux, etc. Mais ce cœur-là, c'est quoi? Oui. Alors, en réalité, le cœur est souvent associé à l'esprit. Et lorsque Dieu parle de l'individu, il parle du corps, âme et esprit. C'est un ensemble. Mais souvent, on fait ressortir le cœur ou l'esprit. Mais en réalité, si l'homme fonctionne, c'est parce qu'il a le battement de son cœur qui lui donne la vie. Et la vie vient de Dieu. Donc, en réalité, ce cœur qui est méchant et tortueux, c'est surtout les pensées qui nous viennent du cœur. C'est l'individu dans son ensemble. Et par rapport à cela, il a besoin de Dieu. Alors, si tu peux apporter quelque chose, Émirante, nous t'écoutons. Non, parce qu'en fait, quand on parle du cœur, très souvent, on parle aussi des sentiments. Oui. Mais oui, des sentiments. Mais les sentiments viennent de quoi? Les sentiments viennent de notre culture, de notre vie avec Dieu, de notre intelligence. Mm-hmm. Et l'exemple que tu as donné de relations entre les époux et les épouses. Mm-hmm. Quand on fait on doit faire la relation entre le cœur qui est tortueux, etc. Alors, qu'est-ce qui est tortueux? Est-ce que ce sont les paroles? Est-ce que ce sont les actes? Est-ce que ce sont et qu'est-ce qui fait naître ces actes et ces paroles? J'aimerais effectivement qu'on parte ce soir en comprenant bien quel est le siège des actions que nous menons. D'ailleurs, dans la Bible, il est dit que l'homme est tel que sont les pensées dans son âme. Les pensées dans son âme. Donc, je veux croire que quand tu as présenté le cœur, le sujet du cœur ce soir, tu as parlé des pensées, puisqu'en fait, c'est de l'abondance du cœur, dit Jésus. Que la bouche parle. Que la bouche parle, mais la bouche ne peut pas parler si on n'a pas pensé. Oui, donc, c'est ça. Donc, le cœur dont tu parles, c'est effectivement cette partie qui est de notre être, qui est le siège de nos sentiments, mm-hmm. de nos actions. Et je veux croire que c'est en fait, je lance le débat aussi. Oui. pour les uns et les autres, que signifie ce cœur qui est tortueux, etc. Qui est certes un organe vital qui permet au sang de circuler, qui est pour la purification, etc. Mais ce cœur dont parle la Bible, il me semble que c'est le siège de nos sentiments, et en fait le siège qui nous permet d'agir. Ouais. C'est le siège également de l'Esprit de Dieu qui nous travaille et qui nous permet justement d'avoir ces actes qui honorent Dieu ou qui déshonorent Dieu, de nous permettre de faire des choix qui honorent ou qui
qui honore ou qui déshonore. Tu voudrais bien que les uns et les autres s'expriment aussi dessus. Ce cœur dans la Bible, quel est-il? Ok, d'accord. Donc, nous voyons et nous pouvons même remplacer le mot cœur par l'individu. Car lorsque Dieu a créé nos premiers parents, ils avaient en eux la pensée de l'éternité et ils étaient saints, ils étaient innocents. Quand l'ennemi est venu, leur cœur, leur personne a été coupée en deux, partagée, et le mal a pris naissance. Et c'est pourquoi nous avons des dispositions à faire le mal tout le temps. Et lorsque l'individu fait le mal, c'est surtout, ce sont ses pensées, ses motivations, son environnement qui le pousse à faire ce qui est mal parce qu'il est déconnecté à la vraie source, à Dieu. Et c'est pourquoi Jésus dit, mais donne-moi ton cœur. Ce que Dieu dit là, ici, mais fais-moi confiance. Et quand Dieu dit cela, il ne parle pas à l'organe, mais il parle à la personne totalement. Alors, je ne sais pas si d'autres personnes veulent réagir. Je voudrais dire, si on ne peut pas définir exactement ce que ça signifie, si on ne peut pas, c'est pas qu'on ne peut pas, mais on ne trouve pas le mot exact, je suis persuadé que le cœur dont il est parlé ce soir, ce n'est pas l'organe. Mm-hmm. Je suis plutôt persuadé que c'est le siège de nos pensées. Parce qu'on parle créole en disant, c'est moi fais moi mal les mauvais ça. c'est un bouquet cardiaque, moi pas cardiaque, mais c'est moi fais un mal. On touche des fois sa poitrine parce que c'est là que le cœur se trouve. Mais on a mal dans son être intérieur. Et quand je dis à Emeron, par exemple, je t'aime de tout mon cœur. J'espère que vous gérez dans ça. Je t'aime de tout mon cœur. C'est pas Tichi Amani Amakabai, c'est que je l'aime vraiment. Mm-hmm. Donc, pour moi, tout ce programme qu'on a présenté ce soir autour du cœur, c'est certainement, pour moi-même, le siège de nos pensées, mm-hmm. de notre ressenti, de nos ressentis. D'accord. En fait, c'est l'attitude de l'humain, oui. Corinne avait demandé la parole. Vas-y, Corinne. Excusez, pardon. Alors, c'est pour tout un autre. C'est deux questions que j'ai. Alors, la première, Jérémie, que tu as lu, Jérémie chapitre 17, verset 10, qui dit que moi, le Seigneur, je vois au fond du cœur et je sonde. Je sonde les reins. Les reins, voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire quand il est dit « J'éprouve le cœur et je sonde les reins » En un mot, rien n'est caché à Dieu. Donc, quand Dieu dit ça, il nous passe dans son scanner et il voit tout, il connaît tout. Donc, on n'a pas intérêt à jouer cache-cache avec lui. C'est pourquoi on doit tout dire au Seigneur et aller droit au but. OK. Et puis, ma deuxième question, c'est comment peut-on, si Dieu nous a aimés de manière inconditionnelle, pourquoi on n'arrive pas, nous aussi, à aimer de manière inconditionnelle? Pourquoi faut-il aimer avec des conditions? Alors, qu'est-ce que tu appelles aimer avec des conditions? C'est-à-dire que, quand on dit, par exemple, ici, il faut faire quelque chose pour avoir quelque chose, c'est-à-dire, je t'aime, mais... Donc, il faut d'accord. quand même faire... Tu comprends? Parce voilà. que Dieu, si nous a aimés, il a aimé vraiment. Mais nous, parfois, pour aimer, il faut quelque chose, il faut donner, il faut. Alors pourquoi? Il faut attendre quelque chose en retour. Voilà, c'est ça. D'accord. Et en fait, c'est là que Dieu dit que le cœur est tortueux et méchant. Maintenant, c'est pourquoi j'ai noté tout à l'heure là, lorsque la Bible dit aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est l'amour sans condition, c'est l'amour agapé. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu m'aimes
je vais t'aimer automatiquement, c'est vrai, mais le jour où tu vas me faire quelque chose de désagréable, tu ne seras plus aimé par moi. Je vais te détester, je vais même te classer. Mais quand je comprends l'amour que Jésus a manifesté, puisque tout le temps, nous allons au pied de Jésus. Seigneur Jésus, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Ça veut dire que nous faisons ce qui est mal. Et Jésus ne tient pas compte de cela parce qu'il regarde au cœur, il regarde au fond de nos pensées. Donc maintenant, je ne dois pas aimer parce que, mais je dois aimer totalement, sans condition. Et c'est ce qui cause beaucoup de dégâts au niveau du foyer et de l'église. La sœur a fait quelque chose, eh bien, on va la classer. Et parfois, ça ira même jusqu'au comité d'église. Et de dire, bon, eh bien, lui, il est classé sous le registre noir, c'est fini. Donc, je pense qu'il faut apprendre à aimer comme Jésus. Et c'est possible. Yannick a levé la main. Yannick, tu peux y aller. Oui, donc, le verset d'Ézéchiel 36, à partir du verset 25, correspond pour moi, mon expérience de ce verset, « Donne-moi ton cœur, je changerai ton cœur », c'est correspond pour moi à la conversion. Oui. Quand Dieu nous appelle, et quand il nous appelle et qu'il change notre cœur et qu'il nous donne un nouveau cœur, il change notre cœur de pierre en cœur de chair et qu'il nous donne un nouvel esprit qui nous rend capable d'obéir à ses commandements. C'est la conversion de celui qui ne connaît pas Dieu, c'est la conversion de celui qui découvre l'amour, parce qu'en fait, avant ça, l'homme ne sait pas aimer tant qu'il n'a pas reçu ce cœur-là. Il est incapable d'aimer comme Dieu lui permet d'aimer, parce qu'avec ce nouveau cœur-là, ce nouvel esprit, son amour part de Dieu et son amour qui émane de l'amour de Dieu est un amour qu'il ne connaît pas et qui le subjugue, qui le rend au point, qui le rend tellement heureux, tellement prolixe, qui ça le fait déborder dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit. Et c'est tellement prégnant pour lui que chaque jour, il faut y raconter un monde. Et est-ce qu'on est de ça? Bon Dieu, Jésus est même, Jésus est même. Et c'est ce que Dieu nous demande. Effectivement, c'est comme si on a pu parler de pensée, on a pu parler de l'être en tout entier. C'est bien le miracle qui existe quand Dieu nous dit « Donne-moi ton cœur ». Pour moi, ça a toujours été le plus grand des miracles de voir quelqu'un qui était tête en bas redevenir tout droit et, de marcher comme il faut, marcher dans le chemin et marcher vraiment et non pas marcher sans savoir où il va. C'est-à-dire marcher en suivant Dieu, en suivant Jésus, la lumière, en devenant lui-même lumière et celle de cette terre, en effet. Très bien, très bien. Alors, j'ai vu que Sion a ouvert son micro. Est-ce que c'est parce que Sion souhaite parler? Non, le micro de Sion est ouvert depuis le début, apparemment. D'accord. Y a-t-il une autre intervention, une autre question, remarque? Sinon, nous poursuivons le programme. Mérette. Oui, bonsoir tout le monde. On m'entend? Bonsoir. Alors, c'est Jacqueline? Oui. Oui. Alors, c'est vrai, on parle beaucoup de cœur. Je veux rejoindre un petit peu BRT également. Quand Dieu dit « Je mettrai en vous un cœur nouveau », moi, là, je comprends dans le sens où il parle de l'esprit. Hein? Il parle de l'esprit, il parle aussi de son esprit saint, parce que ce n'est que qu'à partir que nous avons, comment dire, du moment où nous avons l'esprit de Dieu en nous, que nous pouvons aimer l'autre. Parce que effectivement, en tant qu'humain, on nous fait quelque chose de très dur, surtout par exemple quand ça sort peut-être même de la famille, par exemple. Quelquefois, c'est plus dur à pardonner. Mais quand on a l'esprit de Dieu en soi, c'est ça le nouveau cœur. On cherche peut-être tout autour, qu'est-ce que le cœur, mais le cœur, c'est ça.
ce n'est pas vraiment comme on le conçoit en tant qu'humain, mais d'une manière spirituelle, on peut dire vraiment le cœur dans le sens où, comment dire, c'est l'Esprit de Dieu en nous, hein, effectivement, qui nous permet de pouvoir aimer l'autre, par exemple, ce qu'il m'a fait, ce qu'elle m'a fait, qui va vraiment marquer la différence. Et si je reviens un peu aussi à ta réflexion, au tout début, qui disait que comment nous allons sortir après ce confinement? Est-ce que vraiment on va revenir dans les églises avec toujours, comment dire, comme on est parti avec tous ces problèmes que nous rencontrons, que mais qu'on aborde les choses? Mais je me dis que ce n'est pas vraiment... je me dis, ce n'est pas vraiment le confinement qui va changer les choses, mais c'est l'état où, comment dire, où nous serons, comment dire, comment, pendant le confinement, que l'Esprit de Dieu a travaillé nos cœurs, qui va faire la différence, hein, parce qu'on pourra avoir plusieurs pandémies, ce n'est pas ça qui va changer l'homme si ce n'est pas l'Esprit de Dieu en lui. Hein, d'accord. C'est pour ça qu'effectivement, à travers ce confinement, le mieux, c'est effectivement, c'est de rechercher l'Esprit de Dieu pour qu'il y ait vraiment un véritable changement. Parce que l'humain en lui-même, comment dire, de lui-même, même s'il a toute la bonne volonté de changer, si ce n'est pas, comment dire, un esprit supérieur, quelque chose de vraiment, je disais, hors du commun, qui ne soit pas vraiment de la terre, même qui sera vraiment Esprit de Dieu, même après sa bonne volonté, il ne peut pas, comment dire, mais il ne peut pas être transformé. Et c'est vraiment, effectivement, peut-être tout ce temps que nous avons, comment dire, de disponible, c'est là qu'il faut rechercher, demander, réclamer, soupirer après l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qui va vraiment faire la différence, comment dire, de l'humain. On va faire la différence entre nous, on va faire la différence quand il y a un problème, parce que quand on a l'Esprit de Dieu, on se dit, bon, mon frère, ma soeur, ma famille m'a fait quelque chose de mal, c'est vrai, j'ai l'Esprit de Dieu, bon, je conçois que, qu'il a quelque chose de mal en lui, mais moi non plus, je ne suis pas parfaite. Et quand je vais arriver à ce stade, je me dirai, si moi, je ne suis pas parfaite, pourquoi je veux que l'autre soit parfait? D'accord? Parce que c'est toujours l'Esprit de Dieu qui va me dire, mais toi, tu n'es pas parfait. Tu viens vers Dieu, tu viens vers moi pour me demander pardon, c'est parce que tu n'es pas parfait. Alors, pourquoi tu veux que l'autre soit aussi parfait? Et c'est toujours l'Esprit de Dieu qui va permettre d'avoir cette réflexion. Et là, effectivement, on verra la soumission, là, on verra un peu l'humilité, parce que c'est toujours l'Esprit de Dieu qui va travailler en moi pour cela. Voilà. Très bien, Myriam. Effectivement, et je crois que lorsque nous restons à la maison, c'est pour pouvoir mieux s'organiser dans son programme d'adoration, parce que je me suis dit que les maisons sont devenues des églises-maisons, et ça a été le départ pour la propagation de l'Évangile après le départ de Jésus, les églises de maison, etc. Moi, je crois que le responsable de famille, je peux parler du père et de la mère, doivent maintenant mettre en place un programme d'adoration, dresser l'autel le matin, le soir. Auparavant, on était à la course. Maintenant, on a du temps pour rectifier, pour réparer, pour rénover. On a le temps pour méditer plus longuement, pour prier. On n'est pas à la course, on n'est pas à la sauvette. Mais maintenant, on prend le temps pour se réexaminer, pour pouvoir se reconnecter à Dieu et demander, comme l'Esprit de prophétie nous dit, à Dieu de nous baptiser chaque jour du Saint-Esprit. Et je crois qu'avec un tel programme, on peut revenir dans le grand bâtiment transformé avec de meilleures dispositions. Exactement. Alors, si nous n'avons pas d'autres interventions, nous passons à la suite. Pas d'autres interventions. Eh bien, nous allons conclure ce moment. Jacques, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous donner quelques mots de conclusion concernant ton intervention?
OK. Alors, ça a été un plaisir pour moi de partager ce moment avec l'Église de Morija. L'Éternel a pourvu et il pourvoira toujours pour ses enfants. Nous voulons avancer par la foi. Jésus a dit, donne-moi ton cœur. Dans le plus grand sermon prêché, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Adventiste du septième jour, ceux qui attendent un événement, le grand retour de Jésus. Mes amis, il revient bientôt. Et il est dit qu'il veut trouver une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. L'église que Jésus souhaite trouver, ce n'est pas le bâtiment, mais c'est chacun de nous. C'est pourquoi je souhaite à chacun bon courage et bonne préparation. Les signes sont devant nous. La Bible a déclaré, quand vous verrez ces choses, et surtout l'angoisse chez les nations, redressez-vous, levez vos têtes, car votre délivrance arrive. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bien, nous allons passer à la suite du programme avec un chant spécial, un instrumental de Roselyne Thémin. Roselyne, tu es là? Si oui, active ton micro. C'est à moi que tu parles? Vas-y, Roselyne. Oui, Roselyne, c'est à toi. C'est à vous de jouer. D'accord. Thank you.
Amen. Pirette. Écris dans la tête. Père éternel, nous te remercions de louons ton psaume, Dieu, parce que tu permets, en ce temps de crise, de prendre conscience de nos erreurs, de ce qu'il nous faudrait arranger et transformer. Merci Seigneur, parce que tu permets de prendre conscience de tout ce qu'il faudrait changer, afin que ton nom soit glorifié en nous. Que tout cet esprit continue l'œuvre qu'il a commencé en nous, afin que nous puissions être comme il voudrait que nous ayons, que nous soyons, afin de lutter contre les ruses du diable. Car tu as dit, je vous aime d'un amour éternel. Garde-nous, Seigneur, bénis tous les intervenants, tous ceux qui regardent, tous ceux qui écoutent. Garde-nous comme pour plus de ses grâces, en Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette nouvelle rencontre qui nous a permis d'avoir. Merci à toutes celles et tous ceux qui étaient présents et qui sont encore là. Merci à la centaine de personnes qui nous a suivis sur YouTube. Et merci à toi, Jacques, d'avoir accepté de venir partager ce moment de réflexion avec nous ce soir. Donc, mercredi 13 mai, nous aurons une nouvelle présentation, non pas à 18h, mais à 19h. Ça sera à 19h. Donc, oubliez le 18, ça sera à 19h avec 21. Voilà, Samuel Flamand, donc c'est moi-même. Et le thème, vous l'avez vu, adorer en Église. Demain, oui, mais comment ? Voilà, je ne vous en dis pas plus. Donc, à mercredi, 19h. Et bonne soirée à tous. Merci pour la méditation et bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde et bonne semaine de déconfinement, début de déconfinement. Soyons prudents. Bye bye.